Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche matin et aujourd'hui c'est un peu comme une tempête de neige. C'est très inspirant. On va chez Gaétan Bonneau acheter des fruits et légumes. C'est bien parce que là, je manquais de fruits et légumes. La semaine passée, Martin était parti en vacances, donc on n'a pas pu aller. Et là, depuis les derniers jours, il manquait beaucoup de fruits. Donc là, on va aller là-bas, on va aller faire d'autres petits achats aussi parce que c'est le marché central. Donc on va aller chez Costco, on va aller chez Canadian Tire, faire des petites choses comme ça. Alors que bienvenue avec nous, on va prendre l'auto aujourd'hui comme une auto et on s'en va sur la route. Premier arrêt, Canadian Tire. On a des petites choses à acheter aujourd'hui, des cadeaux de Noël, d'autres choses pour la cuisine aussi, pour mettre la nourriture. Donc c'est notre premier arrêt ici. Après ça, on va aller chez Costco. Et ensuite, peut-être qu'on va aller dans d'autres petits magasins là, pour trouver d'autres cadeaux de Noël. C'est le temps d'y penser, là, avant la folie furieuse. Le soleil est en train de sortir. Finalement, donc peut-être que j'aurai aujourd'hui un golden hour, j'aimerais ça. Ça fait vraiment 3 jours qu'il fait sombre, qu'il n'y a pas de lumière dans la journée. Donc j'ai hâte de pouvoir pogner un golden hour. Martin est en train de payer. Moi j'attends dehors, je ne vous montrerai pas qu'est-ce qu'on a acheté parce que je vais divulguer ainsi les cadeaux de Noël pour ma famille. Donc on va garder ça secret au cas où ils écoutent mon vlog. Alors là, il nous reste à aller chez Costco pour quelques fruits congelés et des fruits secs aussi. Tout ce qu'il nous faut chez Costco. Là, il reste à payer. Et on s'en va chez Gaétan Bonneau. OK. Direction Gaétan Bonneau.
Oh yes, des mangues à tout le faux. Il y a des mangues. Ah, des mangues? Mangues à tout le faux. Nous avons une belle surprise aujourd'hui, les mangues à tout le faux. Ça fait au moins 3 mois qu'il n'y en a pas ici. Je pense qu'on va s'en prendre 2 boîtes. Voilà, on a tous nos fruits pour 413 $. Alors le défi maintenant, c'est de faire entrer ça dans ça. Hein? Ah oui? Ouf, il fait froid aujourd'hui, c'est incroyable. Mission accomplie, on a 413 $ de fruits et légumes dans l'auto. Alors, il nous reste à retourner à la maison. Il est presque 2h-15. Donc, ça a été assez efficace aujourd'hui. On va arrêter prendre un café et puis on s'en va à la maison. Estamos a -2, qué impresión, son los 4 grados. Martha est allée s'acheter un café. Je reste ici en attendant. Alors, comme je disais, moi, pour moi, c'est toujours une occasion de fête d'aller chercher les fruits et légumes. Surtout aujourd'hui, un beau retour, c'est les mangues à tout le faux. Cet été, il y en avait plein. On en achetait 3-4 caisses. Chaque fois qu'on y allait, on en mangeait comme des cochons. Alors là, on a acheté 2 caisses. En plus de tout ce qu'on a, les persimons. On a une boîte de persimons qui sont prêts. Et plein d'autres fruits. Donc c'est vraiment plaisant de penser à ce que je vais manger bientôt. Nous sommes arrivés à la maison, j'ai rapidement mis tout sur la table afin de prendre une belle photo de tout ce qu'on a acheté. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouf, très inspirant. Alors, là, il nous reste la tâche stratégique de tout placer dans le frigidaire, les couleurs et partout dans les tablettes. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous montre le résultat final tantôt.
presque 5 heures, on a terminé de placer toutes les choses. Je vais vous montrer tantôt un peu comment on a placé les choses. Alors, je nous ai préparé un beau repas pendant que Martha faisait le ménage final. Donc moi, j'ai été créatif avec les courges. Une fois, j'ai acheté une boîte complète de courges. Et moi, j'aime ça la manger crue, donc je la fais juste chauffer un petit peu dans le déshydrateur. Et j'ai rajouté quelques légumes avec. J'ai des pousses que j'ai fait cette semaine. On a acheté du fromage hier, du fromage chez Gusta. C'est vraiment, ça goûte vraiment le fromage. J'ai des légumes fermentés aussi, mais ça va être vraiment un super repas. Et j'ai une petite sauce au beurre de peanut et lait de coco que j'ai fait hier. Vraiment délicieux. Et Martha, elle aime la même butter squash, ou butternut, cuite. Donc ça lui donne un goût sucré, un peu comme des patates. Ça fait comme des patates douces. Je sais. Et en plus de ça, ben, on a acheté de la fausse saucisse aussi hier. Une fausse saucisse. Et alors ça va être un super repas en amoureux, tout simple, cru, pour recommencer la semaine en beauté, de mon côté cru. Martha, c'est la squash est cuite, mais elle n'est pas cuite beaucoup, donc il y a encore beaucoup de vitamines et minéraux dedans. Merci d'être à l'écoute. Pour aujourd'hui, je pense que c'est assez pour ce vlog. Beaucoup d'émotions à aller acheter des fruits et légumes. Et bien, merci d'être à l'écoute et je vous dis à bientôt.